you know, whenever you are around. Can't speak, I can't speak. One shot les trois mecs, ils auraient pu push. Ça aurait effectivement peut-être changé beaucoup de choses. Andy Dupay qui est tellement staff que maintenant il décide. Oh, il descend. Les gars, on peut sortir Nono, on a l'engage de la part de Tol. Tol avec son jet, le tir de Steyer qui est évité par le super Zonia de MT. Et le counter engage Lina qui est sorti de la faille. Lina qui n'a plus l'ange gardien, mais il a tout seul. Like a boss, Tol. Mais c'est du 2 pour 1. C'est la rupture. La rupture, ça pourrait être une fun game. Ça pourrait être une fun game, ça pourrait être une victoire. Incroyable, Sivir qui tombe également. Quel team fight de la part des GSU. Nono a failli mourir, triple kill d'ailleurs de Nono. Et ils vont finir là-dessus. Ils sont ange gardien, ils ont besoin d'avoir un peu plus de stuff. Ils sentent assez confiants en team fight. Et surtout, ils sentent que c'est peut-être pas le moment de fight les GSU. Quoi. Attention, jump in de la part de Freddy. Freddy qui est totalement focus. La rupture qui va l'empêcher le back. Et Freddy prend le kill. Qu'est-ce qui s'est passé au mid? Double kill pour Sivir, moi. Qu'est-ce qui s'est passé sur la mid lane? Tandis que Linak va totalement louper le tir mystique de Nono. Mais il arrivera quand même à prendre le kill sur le Renga. Et il y a là, il le laisse tout seul. Et il va peut-être pouvoir défoncer tout le monde. Nono qui fait un excellent taf, le doublé, triplé pour Nono. Est-ce qu'il peut le faire sur MT Tukel? Il n'y a plus d'ulti Sona, Louru. Non, ça ne passera pas. Shutdown de la part de MT Tukel qui est chaud et qui va peut-être pouvoir prendre le kill sur Dude qui prend de bons dégâts. Tout va se jouer sur Louru. Louru qui passe. Adieu, bro. Adieu. Ouais, sans doute, les auto-attaques, le red buff et ça passe. Très très beau team fight de la part des AA. Ils vont y aller, quoique. Ils vont y aller et ils vont se faire attendre. Ils se trap. Et oui, bien sûr, c'est Tol qui se fait un stand de Bob, le crescendo. On a Nunu qui tombe également. Tol est tombé malgré son ange gardien. Miss Fortune est derrière moi. Nunu est encore safe. Ouais, mais ils sont tous tombés. Il reste plus que ceux-là qui vont se faire massacrer. Il va se finir. Et voilà, Sos qui continue la hache qui touche. C'est trop facile. La frappe sauvage. Et c'est un ace de nouveau pour les Fnatic. Les Fnatic emmenés par un SOAS génialissime. Qui vient de rip up, il y a eu du flash au bot, moi. Nono vient de flash pour échapper à Irakubot. Il y a Sos qui décale, ce Drake aurait pu prendre la tour. Hein. Ah, mais là, c'est vraiment très important. Nono n'a plus de flash, il peut se faire jump. Péqué qui bait avec son ulti. Très belle ulti de la part de Nono avec sa mise en fuite. Ce crescendo de génie qui empêche Irakubot d'arriver au corps à corps et de caler un bel ulti. C'est compliqué. Péqué qui en a la main. Et il y a le Olaf qui arrive, la noix. Et il est full life, il lui reste tout, Yenosar qui se fait dégommer, mais là, oh, Brola va où il veut. Shlaya qui tombe avec son Zilean, c'est compliqué. Tol qui chase Péqué qui ne prend pas le kill, et l'intervention in extremis au dernier moment de Suez. C'est un ace. Shyvana vient au top. Alors, est-ce qu'il va réussir à faire quelque chose? Tol qui prend le trade, mais pas le job. C'est très dur à gang, je pense, Kha'Zix. En plus, au niveau 6, il décide de prendre le 1v1. Soaz, il traite des matchs un peu. Et l'arrivée de Péqué. Péqué en bas 4. Il y a également Lissine qui est très très loin. C'est un kill très facile pris. Et là, le bisou qui passe. C'est le virtuel qui va sûrement tomber. Donc, il va essayer de gagner un peu de temps de brain. Mais à mon avis, ça ne va pas passer. Et le kill qui est pris. Les Fnatic qui dominent cette game.